Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, les damos la más cálida bienvenida a nuestro programa Coach Corner. Mi nombre es Adrián Gómez y es un placer ser su moderador en la sesión del día de hoy. Hoy tenemos el placer, una vez más, de tener a uno de los entrenadores más emblemáticos de Francia. Me refiero al señor Vincent Lagler, quien nos hablará de un tema de gran interés como es el camino de la formación de jugador joven en Francia, relacionado a la preparación física. Pero antes de darle el pase a Vincent, me gustaría comentarles un poco sobre nuestro invitado. Como jugador, alcanzó en el 2002 el puesto número 13 en el ranking mundial en dobles masculino. Como entrenador, lleva más de 10 años como seleccionador nacional en Francia en los equipos junior. Y como formador, tiene más de 5 años en la formación de entrenadores de alto nivel. Buenas noches allá en Francia, Vincent. Bienvenido a nuestro programa y gracias por compartir con nuestro público y recibirnos desde tu casa en Estrasburgo. Voilà, je pense que là, vous voyez mon écran, il n'y a pas de problème. Donc, merci encore de cette deuxième invitation. On se retrouve aujourd'hui après une première présentation en avril sur le parcours de formation du jeune joueur qui était plutôt destiné aux aspects tactiques et techniques. Ce soir, on va, aujourd'hui plutôt, on va voir tout ce qui est lié à la préparation physique. Je reviens très rapidement sur les différents outils qui sont à destination des entraîneurs à la Fédération française de badminton, le dispositif jeune en 2010 pour l'apprentissage des tout petits à partir de 5 ans, et puis on a enrichi ça en 2014 et 2017. Par les orientations techniques du haut niveau, le parcours de formation du jeune joueur en 2017-2018 qu'on a évoqué en avril. Et puis ce soir, on parle plus particulièrement de la préparation physique. La particularité de cet outil, c'est qu'il a été édité aux éditions Amphora. Donc vous pouvez sans problème le retrouver et le commander sur Internet. Vous le retrouverez très facilement. Un rappel encore pour ceux qui n'étaient pas là sur la première intervention. Donc, pour quel public, à quel public se destine cet outil du parcours de formation du jeune joueur, technico-tactique et préparation physique? Donc, on a défini trois périodes bien identifiées pour les joueurs qui se destinent à faire du haut niveau. Donc, en France, ce sont les 9-13 ans et qui sont en club avenir. Club Avenir, ce sont des clubs qui ont été identifiés pour accueillir les meilleurs jeunes français. Donc, dans ces 50 clubs Avenir, on a environ 100, une centaine de joueurs. Ensuite, la deuxième période des 13-16 ans s'entraîne le plus souvent dans les centres régionaux, 9 centres régionaux sur le territoire français, plus bien sûr certains joueurs qui sont encore en club. Ça représente également une centaine de joueurs. Et puis, dernière période. J'entends traduction en espagnol. Ok, je reprends. Donc, la dernière période de 16 à 19 ans, avec deux centres nationaux qui sont basés à Strasbourg et à Bordeaux, également des clubs. Donc, pour l'ensemble de cette filière, on regroupe environ 230 joueurs de 9 à 19 ans. Donc, cet ouvrage va être particulièrement destiné à ces entraîneurs et à ces joueurs-là. Mais bien sûr, il est très intéressant pour tous les entraîneurs d'adultes et les entraîneurs de tous les niveaux qui s'intéressent à la préparation physique en badminton. Donc, je vous retrace le travail qui a été effectué pour mettre en place cette préparation physique. Nous avons regroupé 5 spécialistes de la préparation physique, experts en badminton également. Et on a commencé par définir les grands enjeux de la préparation physique du jeune joueur. Pourquoi il est intéressant
de travailler et de développer et de programmer la préparation physique avant 19 ans. Ensuite, on a défini les qualités physiques à développer pour répondre à ces enjeux. Ensuite, on a organisé ces qualités physiques dans le temps en reprenant les trois périodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, 9-13, 13-16, 16-19. Et puis, on propose également une planification de la préparation physique de 9 à 19 ans pour aider vraiment les entraîneurs à s'approprier l'outil et à pouvoir l'utiliser de façon la plus pratique possible au quotidien avec les joueurs qu'ils encadrent, que ce soit en club ou dans les structures d'entraînement permanentes. Donc, je reviens plus particulièrement sur ces enjeux. C'est important de bien comprendre pourquoi il est essentiel de planifier la préparation physique. Alors, bien sûr, ce qui vient tout de suite à l'idée, en tête, c'est la préparation physique va aider le joueur à être meilleur sur le terrain, donc à s'adapter aux situations de compétition, situations de compétition complexes, singulières, toujours imprévisibles. On verra, on en parlera un petit peu tout à l'heure, quelles sont les particularités de la situation de compétition en badminton et plus particulièrement sur les aspects physiques. S'adapter aussi aux charges des différentes compétitions. On sait qu'en badminton, il y a beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions qui peuvent s'enchaîner. Donc, il faut être en capacité à enchaîner ces charges compétitives. Et puis, être en capacité à s'adapter aux différentes méthodes d'entraînement que le joueur va rencontrer tout au long de sa carrière sportive, sur des stages à l'étranger, lors de changements d'entraîneur, lors de changements de structure d'entraînement. Un joueur doit être en capacité à s'adapter à l'ensemble de ces différentes méthodes d'entraînement. Donc là, c'est le premier bloc. Un deuxième bloc tout aussi important qui est le travail sur la disponibilité motrice, physiologique ou biomécanique. Cette disponibilité qui sera en qualité physique développée très tôt. Chez les moins de 12 ans, c'est une des qualités les plus importantes. Va permettre d'assurer une grande capacité de transformation du joueur dans tous les domaines de la performance. Donc, ce sont des joueurs qui, quel que soit ce qu'on va leur proposer, vont tout de suite l'intégrer et mettre en place et progresser, que ce soit au niveau physique, technique, tactique, et pourquoi pas aussi sur les qualités mentales. Donc, c'est évidemment une qualité très importante. Et encore une fois, c'est une qualité qui est importante à développer très jeune. Dernier enjeu qu'on a bien identifié, un enjeu de prophylaxie pour réaliser une carrière longue, une carrière réussie et optimiser la réalisation des objectifs. Il faut s'assurer de la continuité de l'entraînement. Donc, la préparation physique va permettre aussi d'assurer cette continuité de l'entraînement, éviter les blessures et permettre au joueur d'être très régulier dans son investissement et dans son travail quotidien. On s'aperçoit, quand on fait une petite analyse de ce qui se passe au plus haut niveau, que tous les joueurs qui ont réussi au plus haut niveau, ce sont des joueurs qui ont évité les blessures ou alors qui les ont très bien gérées. Et bien sûr, ça permet également de garantir l'intégrité physique pendant et après la carrière. Donc, une fois qu'on a travaillé sur ces enjeux, on a voulu définir les qualités physiques indispensables au badminton. Alors, on a tous en tête des éléments de vitesse, de force, mais on a vraiment voulu travailler sur la définition de ces éléments. Donc pour ça, on est revenu sur les caractéristiques réglementaires du badminton. Un duel qui se passe sur un terrain plutôt petit par rapport à d'autres disciplines, une raquette très légère, un volant très léger, beaucoup d'incertitudes qui est créée par l'adversaire. Donc ça veut dire beaucoup de prise d'information, beaucoup de démarrage, de freinage, de changement de direction, très nombreux et très variés. On est une des seules disciplines où il y a vraiment un déplacement constant dans les trois dimensions, pas uniquement droite-gauche, avant-arrière, mais également vers le haut. Et donc, ça a un impact aussi sur les qualités physiques à développer. Ensuite, si on essaie de définir la carte d'identité moyenne d'un match de haut niveau, donc là, on va voir vraiment une analyse globale. Évidemment, il y a énormément de différences entre les disciplines et même entre les niveaux de jeu. Mais au plus haut niveau, un match de badminton, qu'est-ce que c'est? C'est 42 minutes au total, en moyenne. C'est 19 minutes par set.
c'est 8 secondes par échange, 21 secondes de récupération, ce qui nous fait à peu près un total de 25% du jeu effectif hein, en comptant les pauses. Ce jeu effectif est en constante diminution depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est sûrement dû au changement de scoring. Et on peut s'attendre peut-être à avoir une évolution aussi, également de ce jeu effectif avec la proposition de la BWF de faire évoluer le scoring. Donc, ça aura peut-être aussi un impact sur les qualités physiques et la préparation physique à moyen terme. On continue sur la carte d'identité moyenne d'un match de haut niveau. 50% d'échanges de moins de 5 secondes. Donc ça, je pense que c'est des éléments que vous avez bien en tête, mais c'est très particulier à notre discipline. 80% d'échanges de moins de 10 secondes. Donc, on voit qu'il y a assez peu d'échanges longs, même s'ils peuvent arriver. Il faut savoir les gérer, mais la plupart des échanges sont de moins de 10 secondes. Et dans certaines disciplines, comme on le verra tout à l'heure, de moins de 5 secondes. 9 frappes par échange en moyenne. Là, on commence à voir une petite différence entre les disciplines dans la vitesse de jeu, avec 1,4 frappes par seconde en double homme, double mixte, et un peu moins en simple homme, simple dame et double dame, ce qu'on pouvait imaginer. Mais il y a une forte prédominance, une forte... Donc le double homme et le double mixte sont vraiment deux disciplines un peu à part. C'est de plus en plus le cas avec le temps. Si on s'arrête sur la motricité plus particulière, 65 sauts par joueur en simple, 38 sauts par joueur en double, 165 fentes par joueur en simple, 50 fentes par joueur en double. Évidemment, il y a de grosses disparités en fonction des matchs et des joueurs, en fonction du joueur au filet pour le double mixte, par exemple. Évidemment, ça reste encore une fois des grandes tendances qui pour nous était important à prendre en compte dans la préparation du jeune joueur pour le préparer à toutes les disciplines. Je vous fais quand même un petit retour sur les particularités de ces deux blocs de disciplines, simple homme, simple dame, et puis double homme et double mixte. Donc on voit, là je vous montre simplement les différences. On voit qu'il y a des différences sur les temps de jeu, avec beaucoup plus d'échanges courts sur le double homme et le double mixte. Sur le temps de jeu effectif aussi, et puis également sur le temps des échanges, parce qu'on est plus sur 9 secondes sur le premier groupe et 6 secondes sur le deuxième. Donc ça ne va pas trop impacter sur la préparation physique, mais c'est quand même des choses qu'il faut avoir en tête à partir du moment où les joueurs vont commencer à s'orienter sur une discipline ou une autre. Et ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, le nombre de frappes, ce qui va être important sur la vitesse de jeu. Donc, une fois qu'on a pris tous ces éléments en compte, on définit les qualités physiques, 5 blocs de qualités physiques qu'il faudra développer avant 19 ans. Un premier bloc sur les forces, qui va reprendre l'ensemble des différents types de forces, les gainages, la proprioception. Un deuxième bloc sur la vivacité, vitesse, vivacité. Alors, on a voulu l'appeler vivacité parce que c'est très particulier au badminton, on est moins dans la vitesse, mais plus sur la capacité à se déplacer rapidement en changeant beaucoup de direction et en prenant de l'information. La disponibilité motrice qui regroupe la coordination, la dissociation. La souplesse et la mobilité articulaire, très importante aussi, notamment en termes de prophylaxie et en termes de vivacité et de disponibilité motrice. Et puis, la filière aérobie, bien sûr, pour soutenir les efforts dans le temps, aussi bien pour tenir sur un match, sur un échange, sur un match, ou sur récupérer entre les matchs et récupérer entre les séances d'entraînement. D'autres éléments nous ont semblé importants aussi à apporter aux jeunes joueurs, mais plus des éléments de connaissance sur les étirements, la prévention des blessures, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, la récupération et l'échauffement. Donc, on retrouve l'ensemble de ces éléments dans l'ouvrage. On n'en parlera pas beaucoup plus ce soir, mais c'est des choses qui sont également à développer et à faire bien comprendre aux jeunes joueurs.
Ensuite, il nous a fallu travailler sur la hiérarchisation de l'apprentissage et du développement de ses qualités dans le temps. Donc, évidemment, ben là, c'est sûrement un schéma que vous connaissez, caractéristique du développement des ressources de 9 à 19 ans, où on voit que la disponibilité motrice et la vivacité, la vitesse sont très importants à développer avant 12 ans, avant 12-13 ans. On appelle ça l'âge d'or de l'apprentissage, tout comme au niveau énergétique, la capacité aérobie et la puissance maximale aérobie avant 15 ans. On voit également qu'ensuite, après le pic de croissance, intéressant de maintenir un niveau de souplesse et de mobilité articulaire, et puis bien sûr de travailler sur la force. Donc, c'est des choses dont on a tenu compte pour hiérarchiser la préparation physique dans le temps. Un autre schéma assez intéressant qu'on vient de prendre en compte, c'est les périodes sensibles au développement des qualités physiques. Donc là, vous avez en haut du schéma les filles, en bas les garçons, avec les différentes qualités physiques qui sont positionnées. On s'aperçoit bien sûr que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant 13 ans, une grosse importance de travailler la vitesse et la disponibilité motrice. Ce sont des périodes vraiment idéales, les plus sensibles pour travailler ces éléments-là. Et puis, à partir du pic de croissance, donc plutôt 13 ans chez les filles, 15 ans chez les garçons, on peut commencer à travailler sur les niveaux de force, même s'il est possible, tout à fait possible, de préparer les joueurs à travailler la force avant le pic de croissance. Alors, comment il faut comprendre ce schéma ? On n'est pas du tout sur un schéma ou sur des préconisations où après 13 ans, il n'est plus du tout intéressant de travailler ses qualités. C'est juste que ce sont là des périodes les plus propices au développement et au maintien ensuite des qualités. Évidemment, il sera toujours intéressant de travailler l'ensemble des qualités physiques tout au long de la carrière. Donc, une fois qu'on a pris en compte tous ces éléments-là, on a travaillé sur des fiches pratiques qu'on retrouve dans l'ouvrage, donc 8 fiches pratiques sur les qualités physiques. Et puis également 6 fiches pratiques sur les thèmes à comprendre et à maîtriser, avec les priorités. Donc ça, c'est ce qui commence à être véritablement intéressant pour les entraîneurs, puisqu'on là, on a commencé à hiérarchiser un peu l'apprentissage et le développement des qualités. Ici, vous avez les priorités hautes, ce qui est indispensable à développer dans les différentes périodes, les priorités moyennes et les priorités faibles. Donc, en priorité haute, sur les 9-13 ans, on retrouve la vitesse, la disponibilité motrice et la filière aérobie, qui vont être vraiment les qualités physiques à développer très fortement sur cette période, avec une préparation au travail de la force, notamment sur les techniques et les postures, un travail de maintien de la mobilité articulaire également et de la souplesse. De 13 à 16 ans, on commence le travail sur les forces, en maintenant un travail sur la mobilité articulaire et la disponibilité motrice. Il y a un entretien des qualités de vitesse, vivacité et des qualités aérobie plutôt en capacité. Et à partir de 16 ans, on accentue le travail des forces et de la filière aérobie, notamment sur les terrains, en travaillant de plus en plus avec un travail de préparation physique intégrée. Et puis, bien sûr, un soutien permanent de mobilité articulaire, de souplesse et un peu moins de disponibilité motrice. Puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment une qualité qui est importante à travailler chez les plus jeunes. C'est tout le travail de motricité générale, de coordination, de dissociation qui sera très important à travailler avant 15 ans, je dirais. Donc là, voilà comment on a hiérarchisé ces éléments. À la suite de ça, les fiches sont toujours organisées de la même façon, avec de façon pratique pour l'entraîneur des définitions. Je vais vous présenter tout à l'heure le détail d'une fiche qui sera la vivacité. Donc, des définitions, quel intérêt en badminton, bien comprendre pourquoi cette qualité physique est intéressante en badminton, comment on peut évaluer cette qualité physique, l'observer sur le terrain également, avec des méthodes scientifiques
plus ou moins scientifiques en fonction de la qualité physique. C'est toujours plus facile sur certaines qualités physiques d'évaluer des qualités, d'évaluer le niveau plutôt, que sur d'autres. On préconise également des méthodes de développement. On donne toutes les méthodes de développement qui sont les plus courantes pour développer la vitesse, les forces, la mobilité articulaire, la souplesse, la disponibilité motrice. Et puis, on termine toujours par quelques exemples de situations plus ou moins intégrées au badminton. Vous savez qu'en préparation physique, on peut aller du moins intégré qui est la préparation physique dissociée, donc c'est ce qu'on peut faire en salle de musculation ou en course à pied, la préparation physique associée qui va combiner un peu les deux, et puis la préparation physique intégrée où on travaille vraiment la préparation physique, le développement des qualités physiques sur le terrain de badminton avec une raquette et un volant. Voilà pour la première partie. Après la pause, on pourra revenir sur une qualité qui sera la vivacité. On fera un petit peu le détail avant de parler aussi de la planification. OK, alors je reprends. Donc, comme je vous l'ai dit, on va revenir sur une qualité physique particulière que j'ai choisie comme étant la vivacité. Qualité très très importante en badminton, bien évidemment, comme vous pouvez le savoir. La définition, on commence toujours par bien définir les termes. La capacité à enchaîner une séquence de mouvements variés avec des changements de direction multiples. Donc, on est clairement dans la qualité principale du déplacement en badminton. Alors, par quoi elle s'exprime ? La coordination des vitesses, vitesse maximale, vitesse cyclique, acyclique, vitesse de réaction. Même si la vitesse maximale est assez peu présente en badminton puisqu'on n'a pas une distance suffisante, elle peut être quand même intéressante à travailler chez certains joueurs. Elle s'exprime également par la qualité de pied, tous les travaux de force, d'agilité au niveau des pieds peut être très important. Elle s'exprime par la force explosive, par la force élastique, par le gainage et la proprioception. La particularité, c'est que cette vivacité en badminton, elle est toujours corrélée, elle est toujours inclue dans un haut niveau de prise et de traitement de l'information. Donc ça, c'est important de bien comprendre cet élément-là. C'est bien de travailler la vivacité en dehors du terrain, mais il faut très rapidement la réintégrer sur le terrain. Pour bien comprendre la différence entre la vitesse, ce qu'on appelle la vitesse maximale et la vivacité, un petit récapitulatif de différents sports en fonction du référentiel, de la relation pardon, entre vitesse et vivacité. Donc on voit que plus le terrain, plus les courses sont longues, plus le niveau de vitesse va impacter le niveau de performance et la vivacité un peu moins, il y aura moins de changements de direction et plus de vitesse en rugby, en football, en fonction du différentiel, ça peut être différent. En handball, on commence à avoir un niveau de vivacité plus important à prendre en compte, avec des 1 contre 1, des changements de direction très importants. En basket, encore plus, en tennis. Et puis, on voit que le badminton est une discipline vraiment purement à dominante de vivacité, puisque, encore une fois, il y a énormément de changements de direction, de prise d'information sur une surface très petite. Et donc, il faut constamment être dans cette qualité de vivacité et un peu moins dans les qualités de vitesse. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vivacité, c'est la qualité centrale du déplacement en badminton. Elle est très importante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle améliore l'efficience des déplacements, donc l'efficacité et l'économie du déplacement. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la prophylaxie aussi et sur la capacité à maintenir longtemps un effort. Elle améliore la qualité des changements de direction sur les reprises d'appui, sur les fentes, sur les sauts. Et elle assure la qualité des frappes, donc le fait de mieux déstabiliser l'adversaire sur chacune de ses frappes. Si une frappe est bien placée, si on a placé son appui au bon endroit, si au bon moment, dans un bon timing, sa frappe au niveau de la tête de raquette sera beaucoup plus efficiente. Alors, quelques formes de travail.
les parcours de vivacité que vous devez sûrement connaître, où l'on enchaîne des slaloms, des chicanes, des demi-tours, des échelles de rythme, de la pliométrie légère, un travail de pied, aussi très connu en badminton, ce qu'on peut appeler le fast fit également, sur place ou en mobilité. L'ensemble de ces différents exercices vont travailler différents éléments. Il faudra les coordonner dans le temps sur l'entraînement pour pouvoir travailler au maximum l'ensemble des choses qui sont importantes en vivacité. Les jeux sont intéressants, avec des prises et traitements de l'information, des jeux de balles qu'on peut très bien intégrer chez les plus jeunes à l'échauffement, par exemple. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, intéressant également de travailler sur la pliométrie légère, verticale ou horizontale, avec ou sans prise d'information. Et puis, tout le travail aussi également très connu de spécifique du badminton, avec de nombreux changements de direction, de rythme, de vitesse, qu'on va placer soit en shadow, soit en shadow feed, soit en multivolant, soit en poste fixe, soit enfin, toutes les formes de travail spécifiques badminton peuvent être intéressants pour la vivacité. Mais ce qui va être très important à bien comprendre, c'est que tout ça doit être travaillé le plus souvent possible dans le bio-informationnel, c'est-à-dire avec des prises d'informations. Pas, évidemment, pas tout le temps, pas toujours, mais il faudra progressivement et assez régulièrement proposer de travailler cette vivacité dans la prise d'informations, dans l'incertitude. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu ensemble sur les éléments technico-tactiques. Maintenant, vraiment, ce qui me paraît le plus important sur la vivacité, c'est de bien comprendre les principes de travail, parce que c'est là souvent qu'il y a des difficultés de compréhension et de mise en place. Donc, en fait, la vivacité reste un élément, une qualité physique qui doit être travaillée sur fond de fraîcheur physique et mentale, c'est très important puisque le joueur doit être en capacité à donner son maximum. Et pour travailler le développement de ses qualités, c'est important qu'il puisse atteindre son maximum. Donc l'effort sera toujours court et maximal avec une récupération longue. Et c'est souvent là-dessus qu'il y a des ambiguïtés dans ce qu'on propose dans nos séances de badminton. On pense proposer de la vitesse vivacité et on travaille plutôt les qualités aérobies parce qu'on pince, on réduit la récupération, ce qui fait qu'on est plutôt sur de la qualité aérobie avec des joueurs qui sont dans l'incapacité d'être vraiment à une haute intensité. Donc l'engagement est maximal, donc l'échauffement doit être vraiment spécifique, un très bon échauffement, une grande concentration, et donc idéalement à placer en fin d'échauffement ou en début de semaine pour les joueurs qui s'entraînent quasi quotidiennement. C'est toujours plus intéressant de placer la vivacité en début de semaine ou alors juste avant une compétition sur une petite séance pour travailler sur les qualités physiques qui vont être utilisées à court terme sur la compétition. Et en fait, le volume total de travail de la vivacité va rester très faible. Si on prend uniquement ces 6 à 10 secondes de travail, qu'on va répéter 8 à 10 fois, on est sur un temps de travail très court, par contre, le temps l'intensité, la concentration est maximale. Donc là, je vous montre juste un petit exemple que vous pouvez retrouver dans le document, mais c'est des choses que vous connaissez, je pense. Un parcours de vivacité à réaliser à intensité maximale, 6 à 8 séries de 12 à 15 secondes, avec une récupération minimum de 90 secondes. Donc dans la récupération, vous pouvez organiser les choses pour que le joueur fasse des services, joue au filet, soit relâché. Enfin, il y a beaucoup de choses à organiser, mais surtout pas de travail physique. Donc on enchaîne plusieurs mouvements variés, un travail sur une échelle de rythme, un travail en 8 sur du skipping, un travail en pas chassé ici, pliométrie légère, enchaîné tout de suite par une accélération, un freinage, retour en arrière et de nouveau accélération. Voilà, ce temps, en fonction du joueur, ce travail doit être fait entre 10 et 15 secondes. Surtout pas dépasser les 15 secondes, si évidemment, si on voit que
les joueurs ne maîtrisent pas les éléments ou sont un peu plus lents, il vaut mieux enlever, supprimer un exercice pour rester sur une qualité de vivacité. Donc ça, c'était un exemple parmi d'autres de travail de cette qualité. Il y a également des propositions qu'on peut faire, là que vous connaissez aussi sûrement, de vivacité plus spécifique. Alors là, on est sur du travail en shadow badminton. 9 séries, 3x3, de 6 déplacements, à chaque fois sur 3 fois ici, 3 fois ici, 3 fois ici. Ici, vous avez le joueur et l'entraîneur. Donc là, des cônes, un déplacement, 6 déplacements avec un signal visuel au départ de l'entraîneur et après le passage du joueur, une accélération, un sprint de 4 à 5 pas. Ici, la même chose avec un signal auditif. Donc, sur des couleurs, l'entraîneur va annoncer des couleurs. Et puis ici, la même chose sur un travail avec des cônes à différents endroits pour travailler sur des déplacements variés. Toujours en fente, mais ça peut être également des sauts. Donc là, encore une fois, on peut travailler sur ce type d'exercice, beaucoup de choses, la force, on peut travailler l'aérobie, mais si on veut être vraiment sur un travail de vivacité, il faut respecter les grands principes qu'on a vus tout à l'heure, intensité maximum, faible volume et beaucoup de récupération. Je passe très rapidement sur les forces parce qu'on n'a pas énormément de temps et j'aimerais vraiment vous parler de la planification. Donc les forces, c'est une priorité haute de 13 à 19 ans avec les différentes expressions de la force. Je vais très rapidement sur les intérêts de ces différentes forces en badminton. Vous voyez que la force vitesse va permettre de vaincre une résistance, donc le poids de corps et également la raquette. La force explosive est la qualité de démarrage. La force élastique, c'est toute la qualité de changement de direction et de reprise d'appui sur les sauts, donc c'est tout ce qui est pliométrique. La force endurance qui va permettre de maintenir des niveaux de force dans le temps. Et puis, on a défini aussi deux autres qu'on a intégrées dans le groupe de ces forces. La force de la main en serrage, particulière au badminton, qui va être intéressante dans le finger power. Et puis, la force en gainage, différentes forces de gainage. Gainage dynamique, gainage statique, qui va permettre l'équilibre et la transmission optimale de l'ensemble de ces forces. Donc, le travail de force, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est préparé de 9 à 13 ans, évidemment sans poids, et on commence à travailler ensuite en salle de musculation sur des éléments très spécifiques, sur des exercices très spécifiques qu'on a bien identifiés. On a identifié 5 mouvements incontournables de la formation du jeune joueur en badminton sur le travail de force musculaire. Donc, les joueurs jusqu'à 19 ans doivent progressivement intégrer les postures, la bonne technique pour pouvoir développer les niveaux de force, différentes forces sur ces 5 exercices, mais également éviter évidemment les blessures parce qu'on sait que sur ce travail, il peut y avoir des blessures si les postures, les techniques ne sont pas bien réalisées, surtout quand on commence à mettre des poids très, très élevés. Donc, il y a un travail particulier des entraîneurs français sur la posture, la bonne posture, sur l'ensemble de ces 5 exercices. Donc, on a, comme vous pouvez le voir, le squat, les différents squats, différentes formes de squat. Le soulevé de terre pour toute la chaîne postérieure, notamment intéressante sur les fentes. Le développé couché, le tirage et le travail de fente, évidemment, très important également en badminton. Donc je vais pas plus loin sur ce travail de la force. Je termine la présentation par la planification qui est proposée de 9 à 19 ans aux entraîneurs. Donc vous avez les 4 premières années ici, U10, U11, U12, U13. Chaque fois, vous avez les références des qualités physiques. Donc là, on est sur une année, une saison, une autre saison, une troisième, une quatrième. Et à chaque fois, les cycles sont des cycles de 7 semaines de travail. Donc, il y a 5 cycles de 7 semaines. Et on voit qu'il y a des dominantes à chaque fois
qui sont bien identifiées en fonction de l'âge et de la priorité haute, des priorités hautes, qui vont évoluer jusqu'à 19 ans, avec une prédominance ici de du travail de la force et des qualités aérobies. Si on fait un focus bien particulier sur cette année U12, voilà ce qui est proposé. En ligne, ici, vous avez les cycles de 7 semaines, avec ce qu'il est intéressant de faire, proposé de faire par semaine. Donc, si on prend par exemple le cycle 2, une séance par semaine sur terrain de puissance maximale aérobie, une séance de 15 à 20 minutes ou deux séances de 10 minutes par semaine de vivacité, de la disponibilité motrice à intégrer sur chaque échauffement pendant 5 minutes et un travail de sensibilisation aux postures sur le squat, sur les fentes, qui est important à intégrer également dans les échauffements. On verra qu'à cet âge-là, il est très important d'intégrer la préparation physique aux échauffements puisqu'on a moins de temps de pratique. Il faut optimiser au maximum les temps de pratique. Voilà, donc chaque cycle avec, pour chaque entraîneur, la possibilité d'aller programmer sa semaine d'entraînement et ses séances d'entraînement en y intégrant la préparation physique. Un exemple qu'on peut vous donner ici, un exemple de programmation de la préparation physique sur une semaine en U12, donc 3 à 4 séances de badminton. Je vous rappelle que c'est pour des joueurs qui sont identifiés et qui s'entraînent déjà de façon assez intensive. Donc, à chaque fois, dans l'échauffement qu'on voit ici, l'intégration des qualités physiques à développer, jamais plus de 5-10 minutes par échauffement. Et puis, un travail particulier de vivacité ici pendant 20 minutes, de 10 minutes de gainage en fin de séance ici, un circuit de disponibilité motrice ici, et puis également hors cours, on demande aux joueurs de travailler sur un travail aérobie, de course à pied ou autre. Voilà ce que je pouvais vous proposer sur la planification. Alors, évidemment, beaucoup d'autres choses sont développées dans l'ouvrage. L'ouvrage, je vous ai mis l'adresse là où vous pouvez le retrouver sans problème. Et puis toujours intéressant d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube de la Fédération française de badminton, Formabad TV, qui vous propose de nombreuses vidéos d'entraînement et on va y intégrer progressivement des exercices et des situations de préparation physique qui seront en lien avec la préparation physique spécifique, méthode pratique pour les jeunes de 9 à 19 ans. Voilà, on peut passer aux questions. Muy bien, gracias, Vincent. Ahora pasaremos a nuestra acostumbrada sección de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirla en la caja del chat. Pues aquí tengo algunas preguntas. Me comentan acá que ¿es recomendable el uso de bandas de resistencia para los jugadores jóvenes? Y si es así, ¿cuál es el periodo apropiado para eso? Alors, les bandes de résistance, on les préconise à tous les âges, mais plus particulièrement pour les plus jeunes, avant 13 ans, justement avant le travail de musculation, de préparation physique en force, en salle de musculation, pour travailler sur les postures. Et c'est des éléments qui peuvent être tout à fait mis en place dans la salle de badminton, à l'échauffement, pour travailler sur justement le travail de squat, le travail de fente, le travail de force spécifique. Et ensuite, ce sera plus en accompagnement dans la salle pour les plus âgés. Mais là, ça demandera un accompagnement d'un préparateur physique, puisque quand on les utilise avec des éléments, des barres ou des éléments un petit peu plus pointus, je pense que ça demande un accompagnement. Par contre, pour les moins de 13 ans, moins de 15 ans,
c'est quelque chose de très intéressant à intégrer dans l'échauffement, notamment sur tout le travail de préparation à la force. Bien. Ahora, en cuanto al trabajo con pesas, ¿cuál sería la edad ideal para iniciarlo y cómo diferenciar ese trabajo tanto en hombres y en mujeres? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une initiation à faire, mais pas forcément avec des poids très lourds, assez jeune, il n'y a aucun problème. Pendant un échauffement de badminton, on peut tout à fait intégrer un travail de squat, de fente, de pompe, et le faire déjà avec la bonne technique et la bonne posture. Ensuite, le travail de musculation spécifique en salle de musculation et intégré, comme on l'a vu tout à l'heure, on le préconise plutôt après le pic de croissance ou aux alentours du pic de croissance. Donc, évidemment, il y a une différence à faire entre les filles et les garçons, puisque chez les filles, il est possible d'intégrer un peu plus tôt, puisque de façon biologique, elles sont généralement en avance, plus matures physiquement. Mais encore une fois, c'est une individualisation que l'entraîneur doit faire. Avec son groupe de joueurs, il y a des grandes différences entre l'âge chronologique et l'âge biologique entre deux joueurs, deux jeunes joueurs. Un garçon de 12 ans comparé avec un autre garçon de 12 ans peut être très différent en termes d'âge biologique. Et donc, il faut faire attention avec tout ça. Mais le travail de force peut être fait très tôt. Par contre, le travail de musculation en salle avec des poids, il faut bien sûr le préparer avec des postures et un travail technique très important. Et ça, on y accorde une grande importance dans le parcours de formation du jeune joueur. Me comenta Sebastián de Argentina que para el trabajo de fuerza de manos y la técnica, si crees que sería recomendable fijar o afinar el diámetro del mango de la raqueta según el tamaño de la mano. Je pense que là, c'est pour parler du grip, du finger power, de la force de la main, c'est ça? Alors, ce qu'on préconise, c'est de travailler avec des raquettes un petit peu plus lourdes. Ça, il y a tout un travail, il y a tout un ensemble d'exercices là-dessus. Par contre, sur le changement de grip, je préconise pas trop ça parce que il faut qu'il y ait un travail avec les doigts assez fins en badminton et en prenant un grip plus gros, on travaille uniquement avec l'avant-bras, avec la main, et donc ça perturbe un peu le travail fin des doigts. Donc plutôt travailler avec une raquette peut-être un peu plus lourde, mais en gardant un grip assez fin. Par contre, encore une fois, plus tard en salle de musculation, et ça c'est pour les plus âgés, il peut être intéressant de prendre des barres avec des grips un peu plus gros pour justement travailler la force des doigts, mais pas forcément avec une raquette. También tenemos una pregunta interesante. Dice que ¿cómo recomendarías fomentar la preparación física en los jóvenes, especialmente cuando entrenan al aire libre y hay temperaturas muy altas? En el caso de la persona que pregunta, dice que entrenan a 40 y 43 grados centígrados en sombra. Là, je ne suis pas un spécialiste hein, de là, parce que moi j'habite à Strasbourg et en France, c'est assez rare. Je sais que bon, il faut déjà éviter de s'entraîner quand il fait trop chaud, donc plutôt essayer de s'entraîner le matin très tôt. Hein, je sais que c'est ce qui est fait dans les pays où il fait très chaud. Et puis éviter des longues séances. Je pense que le plus important, c'est peut-être de faire des séances plus courtes. Dans des périodes plutôt très tôt le matin ou le soir, éviter quand même. Alors après, je ne sais pas si on parle de 45 degrés, là, c'est ça, 43, là, ça commence à être vraiment des températures très élevées.
Je pense qu'il faut vraiment éviter de s'entraîner sous ces températures-là. Ou si on le fait, éviter de faire des longues séances et plutôt et bien de bien, bien s'hydrater et faire un échauffement bien adapté et une séance un peu plus courte pour pas trop altérer la santé des joueurs. Perfecto. Y una última pregunta ya más relacionada a ti y al proceso que llevas. Mirando al rumbo hacia París 2024, ¿qué tanto van a cambiar los entrenamientos de tus seleccionados? ¿Ya tienes algunos requisitos o cambios en infraestructura para asegurar una buena representación en estas justas? Pour Paris 2024, vous voulez dire? Sí, así es. C'est ça? Eh bien, là, ce qu'on propose là pour les jeunes de 19 ans, ce sont des jeunes qu'on espère qui seront à Paris en 2024. Donc, il commence à y avoir des jeunes qui ont travaillé avec le parcours de formation du jeune joueur là-dessus. Et puis, la préparation physique est forcément fait partie intégrante de ce qu'on met en place pour cette équipe-là. Et une équipe déjà qui est très identifiée, c'est dans 3 ans, c'est demain, quoi, hein. Déjà, les Jeux Olympiques de 2024, les joueurs sont déjà identifiés. Il y a un travail de préparation physique qui est menée par le préparateur physique aujourd'hui des équipes de France, qui individualise le travail et qui en fait part des bases, par des fondations qu'on a essayé de mettre en place avec ce parcours de formation du jeune joueur. D'ailleurs, il a participé bien évidemment à la conception de cette méthode. Et donc, les joueurs qui seront en 2024 et qu'on espère performants en 2024, ils ont déjà suivi cette préparation physique du jeune joueur et sont maintenant sur un travail très individualisé. Bien, pues lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, Vincent. Antes de terminar, no sé si gustaría darle algún mensaje a nuestra audiencia, jugadores, entrenadores que nos acompañan hoy. Moi, je vous remercie pour ces deux interventions sur le chemin, le parcours de formation du jeune joueur. Et j'espère qu'on pourra se recroiser, retravailler ensemble. C'est toujours un plaisir de partager ce qui est fait ensemble et d'échanger avec d'autres pays et même d'autres continents. C'est assez rare, mais on en profite surtout en ce moment où il y a assez peu de déplacements qui nous sont proposés. Gracias, Vincent. A nuestra familia del bádminton, los invitamos a nuestro próximo seminario web titulado Métodos conscientes para mejorar tu rendimiento en competición. Este seminario web será el último de nuestra cuarta temporada y se celebrará el próximo martes 25 de mayo a las 15 horas de Lima, donde tendremos el placer de contar con el entrenador Raju Raid de Estados Unidos. También te animamos a que nos escribas a través del cuadro del chat y nos hagas propuestas interesantes que te interesen. Además, queremos visitar e invitarte a nuestro canal de YouTube, donde tendrás estas y otras conferencias que hemos celebrado. Pues bien, hemos llegado al final de este programa y en nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, les agradecemos su participación. Un fraternal saludo, a cuidarse mucho y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.